Si tu aimes ces séances, pense à t'abonner. Merci. Bonjour et merci d'avoir choisi ce nouveau voyage hypnotique. Durant cette séance de visualisation guidée, je vais vous proposer d'aller à la rencontre de cet autre vous, celui dont vous rêvez de devenir, la fameuse meilleure version de vous-même. Vous allez pouvoir lui parler et lui poser des questions et ainsi obtenir les réponses que vous vous posez. J'imagine que si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo, c'est que vous essayez de devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est tout à votre honneur. Cette séance va faire la part belle à votre imagination. En effet, plutôt que de vous guider complètement, je vais simplement, par moments, vous faire des suggestions et vous pourrez ainsi, vous-même, vous créer une partie de l'histoire. Ainsi, cette séance sera différente pour chaque personne. Et pourra même être différente à chaque fois si vous décidez de la refaire. Cette méditation est accessible à tout et à chacun. Il vous suffit de prendre du temps pour vous, au calme, avec des écouteurs, de demander à vos proches de ne pas vous déranger, de couper les notifications du téléphone, et simplement de vous laisser porter par ma voix. D'autres voyages méditatifs sont à venir. Et pour être prévenu de leur sortie, je vous invite dès à présent, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche en bas. Ces séances peuvent également compléter les vidéos de motivation que Sophie vous fait sur sa chaîne. Je vous mets le lien en description sous la vidéo. Et je vous propose maintenant de vous installer confortablement, de préférence avec des écouteurs. Prenez votre temps, allongé ou bien assis, il n'y a pas de meilleure position. Peu importe. Le seul risque en étant allongé, c'est de vous endormir pendant le voyage. Ce n'est donc pas trop grave. Je vous suggère de vous couvrir le corps avec une couverture, car il n'est pas rare de perdre quelques degrés lors d'une séance. Ce serait dommage d'être gêné par une petite sensation de froid. Prenez votre temps. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous le souhaitez et revenir dessus dès que vous êtes prêt. Voilà, maintenant je vais simplement vous demander de fermer vos yeux et d'observer votre respiration naturelle. Imaginez respirer à travers votre plexus solaire. Ne la forcez pas. Respirez totalement naturellement un instant. Et surtout, observez bien l'air qui rentre et l'air qui sort de vos poumons. Parfait. Maintenant, sans forcer et à votre rythme, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez bien remplir vos poumons, vous allez bloquer un instant cet air dans vos poumons, et puis vous relâcherez le plus lentement possible, chacun à son rythme. Voilà, vous pouvez recommencer quelques cycles de grandes inspirations lentes, les poumons bien gonflés, vous bloquez un petit peu et vous relâchez lentement, doucement, tout cet air. Vous videz complètement vos poumons et vous remarquerez que déjà, à chaque expiration lente, votre corps se détend. Vos tensions se décrispent. Voilà. Parfait.
Observez ce flux d'air qui rentre et qui sort de votre corps et qui permet déjà, en conscience, de savourer ce moment de pause que vous vous offrez. Le fait de porter votre attention sur votre respiration tout au long de cette séance va vous mettre dans un état plus réceptif à la visualisation de l'histoire que je vais vous proposer maintenant. Et lorsque vos pensées se feront un peu trop présentes, simplement, en conscience, reprenez votre attention sur votre respiration, tout en laissant passer ces pensées. Car c'est normal de penser. Personne ne doit vous demander d'arrêter de penser, et personne n'en est réellement capable. Mais simplement, avoir conscience de ses pensées, les observer et revenir se concentrer sur sa respiration. Reporter régulièrement son attention sur sa respiration, c'est la base de la méditation de pleine conscience. Vous êtes confortablement installé, vos yeux sont fermés, et vous pouvez adopter une respiration douce, une respiration agréable, une respiration détendante. Respirez à votre rythme, ne vous imposez rien, simplement laissez faire. Laissez faire et ne rien faire. Ne rien faire pour prendre le temps. Ne faites rien. Vous ne faites rien et pourtant, tout en vous continue de fonctionner normalement et totalement automatiquement. Vous ne faites rien, vous êtes simplement, confortablement installé, vos yeux sont fermés, votre respiration est douce, agréable, régulière, et vous êtes à l'écoute de ma voix. Prenez le temps de vous détendre, le temps de la détente. Vous inspirez tout l'oxygène absolument vital, indispensable, pour nourrir les milliards et les milliards de cellules de votre corps. Et que chaque expiration vous permet de vous détendre davantage, de vous apaiser, de vous relâcher, de vous relaxer tranquillement. C'est un peu comme si, à chaque expiration, vous sentiez chaque muscle et chaque tension se relâcher toujours un peu plus. Je vous rappelle que l'inconscient est là pour vous aider, et je vais simplement vous aider, à l'aider à vous aider. De plus en plus relâché, de moins en moins tendu, votre respiration est calme et naturelle. Je sais que certains sont pressés de faire ce voyage méditatif, mais nous allons approfondir encore plus cet état relaxant, hypnotique, méditatif,
de transe, peu importe comment vous le nommez. Respirez maintenant simplement par le nez, si vous le pouvez bien sûr. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Posez vos deux mains sur votre ventre et sentez-le se remplir d'air à chaque inspiration. Sentez votre ventre gonfler, grossir à chaque inspiration. Et sentez-le se vider et se creuser à chaque expiration. Cette terre qui permet la vie en vous, qui permet la vie en nous, et tout en continuant à garder votre attention sur votre respiration, prenez conscience de votre corps tout entier. Prenez conscience de la pesanteur qui le fait se reposer sur le support sur lequel vous êtes installé. Ressentez chaque point d'appui. Voilà. Très bien. Et alors que vous êtes assis ou allongé, que vous écoutez toujours le son de ma voix, que vous entendez cette jolie petite musique de fond, vous sentez votre corps se décontracter, se relâcher, se détendre. À la fois plus lourd et plus léger. Observez-vous. Observez bien votre corps. La tête. Les bras. Vos jambes. Vos pieds, puis vos mains. Observez-vous entièrement, et je ne sais pas si déjà vous ressentez peut-être d'agréables sensations qui parcourent votre corps. Je ne sais pas si c'est plus dans vos jambes, ou bien dans vos bras. Vos mains ou bien vos pieds. Peut-être est-ce votre cou ou vos épaules ou votre dos. À gauche ou bien à droite. En haut ou bien en bas. D'agréables sensations peut-être, même dans votre esprit qui se calme. Et mes mots qui remplacent peu à peu vos pensées. Laissez-les simplement passer et continuez à ressentir votre respiration qui va et qui vient à l'intérieur de vous, là où tout est complet, tout est ok. Et sûrement que votre subconscient se prépare. Déjà, à la transe hypnotique, cet état qu'il connaît déjà parfaitement, cet état dont nous entrons chaque jour parfois sans même nous en rendre compte. Et là, simplement, à écouter ma voix,
sentir, à ressentir votre corps se détendre. Vous aidez votre esprit à rentrer tranquillement dans cette transe hypnotique. Respirez toujours naturellement, sans forcer. Et imaginez maintenant l'air qui rentre dans votre corps, dans vos poumons. Imaginez-le s'étendre jusque dans vos bras et les détendre profondément. Puis, imaginez cet air glisser jusque dans vos mains. Voilà. Et détendre chaque doigt, chaque muscle et chaque tendon. Ressentez cet air qui vous traverse et se faufile de votre thorax à votre bas-ventre. Ressentez-le passer au niveau de vos cervicales, de vos épaules, de votre dos. En haut, en bas. Ressentez-le passer sur votre bassin. Et s'étendre dans vos deux jambes, à gauche, puis à droite. Puis imaginez cet air descendre jusque dans vos pieds et les détendre complètement, maintenant. Portez votre attention sur votre tête et sur votre front. Visualisez et imaginez chaque petit muscle qui permet de crisper le front. Et permettez-vous maintenant de les détendre. Ah. Sentez votre front se lisser, se détendre. Se relaxer, se relâcher. Puis, portez maintenant votre attention sur vos yeux, vos paupières. Et imaginez tous ces petits muscles, même à l'intérieur, qui permettent de plisser vos yeux, donner des expressions à votre visage. Même fermés, vous pouvez les détendre. Les relaxer. Voilà. Détendez bien à chaque expiration, chaque petit muscle. Portez maintenant votre attention sur votre nez et toute la zone autour de votre nez. Imaginez encore chaque petit muscle et détendez-les. À chaque expiration, à gauche, à gauche, à gauche. Puis à droite, puis à droite, puis à droite. De plus en plus détendu, relâché, relaxé. Portez maintenant votre attention sur votre mâchoire, elle aussi, souvent crispée. Décrispez-la. Voilà. Même votre langue, vous pouvez la laisser se reposer. Et peut-être que votre bouche va s'entr'ouvrir un peu du fait de cette agréable détente de toute votre tête. Sentez toute la décontraction que vous offrez là maintenant. Et même votre cou, vos épaules, vos cervicales,
se détend profondément à chaque expiration. Voilà, c'est bien. Parfait. Je ne sais pas si vous vous sentez plus léger ou plus lourd. Ou les deux à la fois, peu importe. Il n'y a jamais de mauvaise réponse. Et alors que vous êtes toujours assis ou allongé, que vous écoutez le son de ma voix et cette jolie musique, vous sentez de plus en plus relâché, de moins en plus relaxé. Et maintenant que vous êtes bien détendu, nous allons pouvoir commencer ce voyage hypnotique ensemble. Je vous propose de vous concentrer sur le milieu de votre front, juste entre vos deux yeux. Imaginez-le de l'intérieur, comme une belle scène de théâtre ou un écran de cinéma. C'est votre théâtre, votre cinéma, là où tout est possible. Nous allons pouvoir partir rencontrer votre double imaginaire, votre jumeau, celui dont vous rêvez d'être. Nous allons aller à la rencontre de la meilleure version de vous-même. Je ne sais pas où elle se trouve, cette meilleure version de vous-même. Peut-être ce sera sur une plage, ou peut-être sur un bateau, peut-être dans une forêt, dans une plaine fleurie, une jolie montagne ou un chalet. Peu importe, c'est à vous et à votre subconscient de l'imaginer, de le rêver et de se laisser porter. Et pour aller à sa rencontre, je vous propose d'utiliser un véhicule volant imaginaire. Tout est parfaitement possible. Rien n'est impossible dans ce voyage. Comme par exemple un train qui vole, ou bien cela peut être un animal, comme un éléphant, une girafe ou une souris volante. Cela peut être absolument n'importe quoi. L'essentiel, c'est de le faire voler et de voler avec lui. Je vous laisse le temps d'imaginer votre véhicule imaginaire. Et quand ce sera fait, nous allons pouvoir décoller à la recherche de la meilleure version de vous-même. Voilà, maintenant je vous propose de prendre place et prenez votre envol en prenant tout votre temps. Vous ne risquez rien du tout, tout est sans danger, tout est agréable, tout est fluide. Et vous pouvez maintenant survoler des milliers et des milliers de paysages différents. Peut-être est-ce des forêts, des rivières, des plages, des prairies fleuries, des mers ou bien des océans. C'est à vous de décider. De décider de votre propre aventure. Vous volez tranquillement et vous pouvez observer les oiseaux, les papillons, les nuages. Vous pouvez aller strictement où vous voulez. Je vous laisse un instant profiter de cet agréable moment de vol en toute liberté.
de ce délicieux moment bercé par le vent et les courants d'air. Alors que vous êtes toujours en train de voler, vous observez le sol et vous apercevez ce clone de vous-même en bas. De suite, vous savez que c'est lui. Vous vous approchez tranquillement, sereinement. Vous êtes confortable, détendu, relâché. Relaxé, vous êtes en totale sécurité. Et alors que vous volez toujours au-dessus de lui, vous vous approchez tranquillement à votre rythme. Prenez le temps de l'observer. Prenez le temps d'écouter tout ce qui se passe là, autour de vous. Et d'une façon de plus en plus précise, vous vous approchez de votre double. Et vous allez pouvoir vous poser là où vous le souhaitez, dans le paysage que vous avez choisi. Face à vous, vous pouvez apercevoir le clone de vous-même. Cette personne est identique à vous-même, comme un jumeau ou comme une jumelle. Il ou elle vous ressemble. C'est tout à fait vous. Vous êtes tranquille et tranquillisé. Tout se passe parfaitement bien. Car cette autre personne, ce clone de vous-même, ne dégage que de la bienveillance, que de l'amour à votre égard. Il va pouvoir vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Des réponses destinées à vous aider, à atteindre votre but, votre objectif. Alors je vais vous proposer de vous tenir face à ce clone de vous-même. Peut-être en position assise, debout, comme vous le souhaitez. Et remarquez comme ce clone de vous-même est souriant, heureux et accompli. Je vais donc vous proposer de lui poser deux questions. La première question sera simplement de lui demander comment faire pour devenir la meilleure version de vous-même comme lui.
Je vous laisserai un instant avec lui pour qu'il puisse vous répondre. Peut-être vous répondra-t-il que vous êtes déjà cette version, que vous avez simplement besoin de moins vous imposer de choses, de rigueur. Peut-être vous demandera-t-il d'être plus bienveillant avec vous-même, de prendre un peu plus de temps pour vous-même. Peut-être dira-t-il que vous avez déjà tout en vous, à l'intérieur de vous, et que vous êtes déjà la meilleure version de vous-même. Que vous êtes une petite merveille, que chaque personne est différente, et que chaque personne est une petite merveille. Peut-être dira-t-il et vous expliquera-t-il l'intérêt de lâcher prise sur certaines choses, pour se sentir mieux, ou bien l'intérêt de savoir pardonner pour pouvoir avancer. Peut-être vous demandera-t-il d'arrêter de faire cette guerre intérieure avec vous-même, je ne sais pas. Prenez tout le temps nécessaire pour écouter ses réponses. Je vous laisse maintenant quelques instants avec lui ou elle. Très bien. Vous allez pouvoir maintenant stocker la réponse à cette question dans une partie inconsciente de votre esprit. Et tout à l'heure, à votre réveil, vous aurez en tête toutes les réponses que cet autre vous-même vous a apportées. Maintenant, vous allez pouvoir poser une deuxième et dernière question à votre clone. Voici cette question. Quel autre message souhaites-tu m'apporter ici et aujourd'hui? Et je vous laisse à nouveau tout le temps nécessaire afin d'obtenir toutes les réponses dont vous avez besoin, toutes les réponses que cet autre vous-même va vous apporter.
Très bien. Vous pouvez maintenant, comme tout à l'heure, stocker toutes ces réponses dans une partie de votre inconscient. Et tout à l'heure, à votre réveil, vous aurez toute l'intégralité de ce bel échange. Maintenant, avant de quitter votre autre vous, je vais vous proposer de le remercier, de prendre le temps de le remercier. Peut-être de l'embrasser ou de le prendre dans vos bras. Faites comme vous le souhaitez. Peut-être allez-vous ressentir de la joie et de la gratitude. Prenez tout le temps nécessaire pour le remercier. Je vais maintenant vous proposer de quitter ce bel endroit. Et à nouveau, vous allez pouvoir prendre tout votre temps pour reprendre votre envol. Et vous allez pouvoir à nouveau survoler tous les paysages que vous souhaitez pour rentrer. Qu'est-ce que c'est agréable de voler ? Librement, léger, serein. Et maintenant, je vous propose de rentrer en douceur chez vous, là où nous sommes partis. Et je vais vous demander de reprendre conscience de votre corps. De votre respiration. Et vous allez pouvoir commencer à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds. Constatez que lors de chaque inspiration, c'est un peu comme si vous remontez tranquillement à la surface. Vous ressentez à nouveau les points d'appui de votre corps, là où vous êtes installé. Voilà. Maintenant, vous bougez parfaitement vos mains, vos doigts, vos pieds. La lumière de la pièce dans laquelle vous êtes installé traverse vos paupières. Et sur une grande inspiration, vous ouvrez vos yeux et vous revenez à vous, ici et maintenant. Ainsi s'achève ce voyage. J'espère sincèrement qu'il vous a plu, qu'il a été confortable et qu'il vous apportera tout ce dont vous avez besoin ici et maintenant. Vous avez en tête toutes les réponses de la meilleure version de vous-même que vous avez pu obtenir dans votre monde imaginaire. Et je vous propose, lorsque la vidéo sera terminée, de prendre tout le temps nécessaire pour les noter. Je suis personnellement curieux de connaître certains détails de vos voyages, ou simplement que vous me disiez comment cela s'est passé. N'hésitez pas pour ça à me laisser des commentaires. Et pour augmenter la visibilité de la vidéo et permettre à d'autres personnes de faire cette séance, n'hésitez pas à y mettre un petit pouce. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux voyages hypnotiques. Merci, à bientôt.